Une des choses aussi, je me rappelle, c'est faire rose comme compteur. Astico gris, astico blanc. Montre-moi tout vos dents. Pour que mes mots sortent de ma bouche et aient droit jusque dans vos cœurs. Puis je pense qu'il nous a touchés dans notre cœur. En tout cas, moi, il m'a touché dans mon cœur. C'est une belle arc-en-ciel qui est dans mon cœur. Frère ours, frère de lumière, frère d'amour, frère d'éternité. Tu es bien connu étant un bon porteur de flambeau, la parole facile, musicien, artiste, poète, un grand voyageur et quelqu'un qui a beaucoup d'animation dans lui pour pouvoir exprimer ses mouvements, pour pouvoir partager toutes ses actions et laisser porter à la lumière une énergie d'un pouvoir auquel on ne pourra jamais t'oublier, frère ours. J'ai plusieurs mémoires, plusieurs souvenirs avec toi, et je te remercie d'avoir été là, et on t'aime. Oh. J'ai connu frère ours il y a peut-être 10-12 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai dû le croiser peut-être à 10-12 occasions différentes. Ben quand même, quand il est décédé, j'ai braillé pendant 2 jours en me demandant qu'est-ce que j'allais faire sans lui. Dans ces petits moments-là, il a réussi à me faire sentir que j'étais quelqu'un d'important. Il a réussi à me faire sentir que j'étais une amie proche. Puis si c'est vrai pour moi, ça doit être vrai pour pas mal nous tous. Puis pas mal tout le monde qui a rencontré. Puis même les dernières fois qu'on s'est vus, j'étais vraiment triste. Puis il me voyait, il me disait, toi, je pense que t'as besoin d'un hug. Il me serrait contre lui, là. Ouais, il faisait. Là, tout son corps résonnait, puis là, la vibration se transmettait dans mon corps, puis c'était comme une vibration de paix, d'amour, de tranquillité. Puis là, pendant ce temps-là, je pouvais plus avoir de peine en même temps. Ben, c'est un peu ça, frérot, je pense, pour nous tous. C'était vraiment comme un frère, même si on ne le connaissait pas beaucoup, il se comportait comme un frère pour nous tous. Puis pour moi, c'est vraiment ça, le frère de tous. Fait que ouais. Je remercie vraiment sa famille de sang qui l'ont connu depuis longtemps. Puis vous autres, c'est vraiment votre frère. Ben, je vous remercie de nous laisser partager cela à ce moment-là avec nous, parce que pour moi, puis pour tout le monde ici, c'est vraiment important. Ah oui. Oh. C'est un peu dur de ne pas être triste. Moi, je sais qu'il va bien. Il va bien. Il va bien. Puis je sais que il est en train de cheminer. Je sais qu'il va revenir à nous. Je me rappelle encore la première fois que j'ai vu Frère Ours dans le Rainbow en 93. Puis je me rappelle qu'on était dans le Mill Circle, puis on a mangé, puis il est venu, puis il chantait. Il chantait « Chapeau magique, chapeau magique ». Puis cette chanson a toujours resté dans mon cœur. C'est justement, c'est cette magie de pas juste l'amitié, mais tout dans le cœur. Puis, je suis content que vous êtes présents, la famille, parce que je n'ai jamais pu connaître sa famille de sang. Puis, je suis très content, Marie, de vous connaître. Et je peux juste vous dire que ne soyez pas trop triste, parce qu'il est avec nous. Il continue son chemin. Puis, ses histoires continuent dans l'esprit de beaucoup, beaucoup de gens. Il s'est continué à faire son chemin. Il transmet tout le temps. Cet amour, cette lumière, cette brotherhood, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur pour tout le monde.
Je voudrais remercier mon frère pour toucher mon cœur avec la magie. Puis le cœur de mes enfants. Et ma soeur. Oh. Oh. La chose que je retiens le plus de Frère Ours, c'est vraiment son grand, grand cœur. Un cœur en or. Un amour inconditionnel. Puis, les gens qui disent qu'il était bon négociateur et tout ça, ça c'est à force d'avoir vécu avec trois sœurs et six cousines. Moi, je suis contente de voir ce qu'on a ici aujourd'hui. Parce que mon frère avait tellement le cœur gros, qui était capable de donner de l'amour à tout le monde. Mm-hmm. Puis je me sens pas lésé dans tout ça. Il y avait de l'amour pour tout le monde. Non. Toute ma vie, tu sais, mon oncle, il me disait des choses des fois un peu dures, des fois un peu... Tu sais, qu'il venait chercher, sauf que c'était jamais pour rien. Parce que c'est ce qui m'a permis d'avancer. Non. Oh. Je remercie mon oncle pour ça. Ce qui va me manquer le plus, c'est ses câlins. Là. Parce que ses câlins me rendaient sereine. Il se passe n'importe quoi autour de moi. Dès qu'il me faisait un câlin, j'étais sereine, j'étais bien. J'oubliais tout. Toute la tension partait. Parce que je sentais tout l'amour qu'il y avait dans son cœur, dans son corps. L'amour qu'il voulait offrir à tout le monde. J'ai écouté tous vos témoignages. J'ai la chance d'être presque la dernière à pouvoir parler. Fait que j'ai eu la chance de tout vous entendre. Puis il n'est pas mort, François. Mmh. Il n'est pas mort parce qu'il est vraiment... Il a laissé sa trace, une partie de lui-même, partout, en vous, en nous. Je vous dis, c'était une personne vraiment de cœur. Il aimait connaître d'autres cultures, d'autres religions, d'autres s'informer de plein de choses. On discutait des fois sur certaines choses, d'autres coutumes. Il m'a impressionné, vraiment, c'est une personne qui porte, en voyant une personnalité, il est à l'écoute des autres. Je sais qu'à travers vous, il vivra longtemps. Repose en paix. Il était une très bonne amie de moi aujourd'hui. Elle allait comme les gens, elle a dormi avec moi. Et j'étais très contente tout le temps de la voir. Un ami comme les pour les animaux, on ne trouve pas dans des humains comme lui tous les jours. Ok, wow. Tout le monde a partagé un petit morceau de qu'est-ce qu'ils portent dans leur cœur à rapport de Corneille, notre frère, Ferros, François Barrette. Mm. Et maintenant, on arrive à un autre moment spécial dans notre cérémonie. Nous pouvons toutes offrir notre tabac et cèdre ou dans l'eau ou par, quelque part dans la terre, excusez-moi. Oui, dans la forêt près d'un arbre ou quoi. Et après ça, on va procéder, peut-être la famille directe de mettre ses cendres dans la rivière. My prayers go up to you. And for the healing of everybody who you love. And everybody who you love and everybody on the planet. It's just my jumper out of this palace. Oh.
Thank you.